Vous n'avez rien à craindre. Au contraire. Tenez. Comme promis. Je peux aussi vous aider. Vous êtes qui pour m'aider? Vous êtes dans une situation difficile, aussi bien financièrement que professionnellement, non? Ça ne vous plairait pas d'obtenir une licence de chauffeur de taxi et d'être indépendante? C'est pas dans mes moyens. Et qui vous a dit qu'il faudrait la payer? Il suffirait de faire une bonne action. Un de mes amis chefs d'entreprise a des ennuis. Il travaille pour le compte de grands industriels pour lesquels il fabrique des pièces automobiles. Et cet ami aimerait que vous oubliez son existence. Je ne sais même pas qui c'est. Ben justement. N'essayez pas de trouver. Un certain nombre de pièces automobiles défectueuses sont sorties de son usine, malgré les contrôles. La plupart a pu être récupérée. Malheureusement, d'autres avaient déjà été utilisées. Des capots, par exemple. Alors, si un scandale éclate, il perd son marché de sous-traitant. Il devra mettre la clé sous la porte. Autrement dit, 600 personnes vont se retrouver au chômage. Et vous êtes particulièrement bien placé pour savoir ce que ça veut dire le chômage, non? Vous savez, mon ami, c'est très bien que le préjudice que vous avez subi est irréparable et que ce n'est pas de l'argent qui vous fera oublier. Mais accepter d'être aidé, vous ferez une bonne action en même temps. Je vous appellerai demain dans votre taxi. Je vous ferai une offre unique. Il vous suffira de me dire oui ou non. Je préférerais que ce soit oui, évidemment.